Le ton monte entre Mathieu Coutadeur et le MUC 72. Le club a refusé l'indemnité de transfert proposée par l'AS Monaco. Le festival baroque de Sablé débute ce soir. 16 concerts en 5 jours animeront les différents lieux de la ville. La sécheresse perdure en Sarthe. La préfecture a pris un nouvel arrêté de restriction d'eau ce mardi. De nouveaux bassins sont passés en seuil d'interdiction, la Braye et la Vège. Les usages de l'eau y sont strictement interdits. 14 bassins sont désormais, eux, en seuil de limitation. Les usages de l'eau sont autorisés uniquement entre 20h et 10h. Nous reviendrons sur le sujet de manière complète dans notre édition de mercredi. Partira ou partira pas, le transfert de Mathieu Coutadeur pour l'AS Monaco est en train de tourner au bras de fer entre le joueur et le MUC 72. En jeu, l'indemnité de transfert du joueur. Monaco a proposé hier 2,2 millions d'euros, une offre refusée par le MUC qui la qualifie même d'irrespectueuse dans son communiqué. Un communiqué dont le ton a déplu au joueur et à son agent qui s'exprimait devant la presse ce midi. J'ai fait le choix d'aller à Monaco, le Mans a haussé le ton, donc maintenant s'ils veulent que je reste, bien sûr je vais rester, j'aime ce club. J'aime moins la manière dont ça s'est passé en ce moment. Maintenant, on va voir le président, on va bien voir. Si monsieur le Garda veut arranger les choses, il peut très bien donner une prime à Mathieu pour cette année, lui revaloriser le salaire pour qu'il soit bien dans sa tête, lui donner une prime de maintien. On est prêt à tout discuter, mais il ne prolongera pas. Difficile à l'heure actuelle d'imaginer Coutadeur à Monaco. Le milieu de terrain devait reprendre l'entraînement cet après-midi après s'être échauffé en dehors du groupe hier et ce matin. La rencontre avec le président Le Garda cet après-midi n'a rien donné. Le MUC serait probablement prêt à lâcher son joueur pour 4 millions d'euros. À Monaco, on parle même de 5 millions en considérant ce chiffre comme disproportionné. Et finalement, à une semaine de la fin du mercato, le club n'a peut-être tout simplement pas envie de voir partir l'une de ses pièces maîtresses. Une rencontre entre Orient et Occident. Le coup d'envoi du festival baroque de Sablé joue la carte de l'audace. Musena regroupe deux ensembles, un baroque, l'autre turc, pour évoquer la découverte de Constantinople par un sujet de Louis XIV. Acrobates, danseurs et chanteurs s'unissent sur scène. Un mélange qui permet de plonger dans les fêtes des palais d'Istanbul du XVIIe siècle. La rencontre entre la danse turque et les danses du XVIIe, dans lequel il y a beaucoup de rapports rythmiques et puis aussi dans le style de danse, qui sont des danses très, très sautées, des danses collectives et aussi des danses morguées où on mime un corps de métier, un combattant. Et donc c'est toutes ces correspondances qui nous a tout de suite emballés. Oui, et puis les musiques aussi, nous on a beaucoup travaillé déjà sur la musique baroque, donc on connaissait bien ce répertoire-là, mais on a découvert la musique turque avec des instruments qui pour nous occidentaux ont des sonorités quand même, qui font vraiment voyager rien qu'en les entendant, comme le ney, qui est ce long tube qui sert de flûte, enfin qui est l'équivalent un peu d'une flûte, le santour qui avait son équivalent sous forme du psalterion à l'époque, mais donc là qui est joué aussi par un des instrumentistes turcs, une sorte de harpe horizontale un peu, d'ailleurs il y a une harpe chez les Français, et tout cet univers musical nous a donné tout de suite plein d'envies, plein d'idées visuelles. Cette année, le festival fête ses 31 ans. La recette de son succès, une programmation originale certains jours, plus conventionnelle parfois, mais toujours teintée d'une pincée de curiosité, d'une part de culot et de beaucoup de fidélité. Je parlais des jeunes musiciens, il faut du temps pour qu'ils aient le temps de mûrir. Donc on a comme ça, à Sablé, accueilli très tôt des musiciens qui sont maintenant des musiciens de renom. Ils sont venus tous les ans avec leur jeune ensemble pendant les premières années du festival et qui maintenant se déplacent dans le monde entier. Un des objectifs du festival, attirer ceux qui n'osent pas franchir les portes de ce type de rencontre. Le concert de clôture sera donc gratuit, comme à son habitude. Rendez-vous dans le parc du château samedi soir pour une invitation au voyage à travers l'Europe.